It can be difficult here now in 2020 when we've reached a stage where a low carbon, more resilient economy feels kind of inevitable, to think back to what were the key moments when that tipped, when we started to really move towards that. And for me, one of the key moments was the decision by regional government in Belgium to get behind and push and fund what was already happening, the remarkable stuff that was already happening at the grassroots community level all across the country. Alors, ce qui a changé en ville, c'est qu'on a remis l'humain au centre de la ville. On a recréé des villes à taille humaine, à échelle humaine, des villes dans lesquelles on vit, pas uniquement des villes dans lesquelles on travaille. Et ces villes, là où avant elles produisaient des services et des déchets, elles reproduisent de la valeur. On a stimulé une économie locale, on a de l'artisanat qui a commencé à rééclore, il y a des gens qui fabriquent des vêtements, des vélos, des meubles. Donc vraiment, on fabrique de la richesse en ville. Et ce qui sort de la ville, ce sont des choses qui ont une valeur et pas seulement des déchets. Bon, en 2019, on a fini par convaincre que les parcs publics et ces grandes pelouses étaient quand même assez inutiles. Et donc on a focalisé quelques pelouses où les gens pouvaient se réunir. Et le reste, on a tout transformé en potager collectif de type permacole. Donc comme ça, ça permet d'être pérenne et de voir les choses jusque 2025-2030. Le parc du Cinquantenaire est merveilleux maintenant. Alors c'était fou d'imaginer qu'en 2016, c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça, on se déplaçait encore tout seul en voiture. Bon, après la fermeture de tous les tunnels à Bruxelles et puis l'obligation du covoiturage et l'interdiction d'être tout seul dans notre voiture, ça c'était au centre de Bruxelles en 2017 et puis après ça s'est généralisé à toute l'Europe. En 2020, on voit un florissement de la société civile. En fait, grâce au réseau de transition, toutes ces activités citoyennes se mettent ensemble et on voit une énorme créativité à tous les niveaux. There was an explosion of local economies, a fantastic new, a whole new generation of local entrepreneurs coming in to make that happen. Community energy companies, community-led housing developments, local currencies, all happened around that time, unlocked by that little bit of skillful, intelligent support. Nous constaterons, après avoir investi pendant plusieurs années dans les initiatives de transition, que cette course de vitesse qui s'est engagée contre la dégradation des écosystèmes, l'épuisement des ressources, le changement climatique, est en train d'être enfin gagnée. Pourquoi? Parce que, au lieu d'attendre que le politique contourne les obstacles à la prise de décision, surmonte les vétos des lobbies, au lieu d'attendre du monde de l'entreprise que finalement ils réfléchissent à la manière d'aider à aller vers des sociétés plus durables, l'on a donné aux citoyens la possibilité d'inventer leurs propres solutions. Et les choses ont été vite parce que ces solutions ont émergé à partir des motivations locales, à partir des ressources locales, à partir de la prise de conscience de chacun qu'il ou elle pouvait faire davantage dans son micro-environnement immédiat. Ah, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Bon, on n'a pas encore inversé la tendance, le réchauffement climatique et tout ça, il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, on est parti sur des meilleures bases, on peut revoir 2050 avec un peu plus d'optimisme. On s'amuse, on parle les uns avec les autres, on n'est pas tous isolés dans notre coin. On a recréé du dialogue, on fait des choses ensemble et on ne fait pas que travailler ensemble. On fait la fête, on répare des objets ensemble, on cultive, mais on danse, on parle et on invente ce nouveau monde tous ensemble. Oui. Et ça fait déjà longtemps que les citoyens veulent un monde différent, mais toutes ces petites pousses qui pendant ces années ont commencé à pousser, on voit tout à coup, voilà, il y a une énorme forêt, on ne peut plus la négliger, on ne peut plus faire semblant qu'elle n'est pas là, et donc le changement était déjà en route, mais en 2020, il est visible.